Chaque seconde d'inactivité est une seconde perdue. Hé, aubergiste, une bière et un coca light. Vous avez fini de vous installer? On a encore quelques caisses. Ouais, encore quelques caisses à déballer, mais en gros, on est bon, là. Alors comme ça, c'est vous qui faites les petits Mickaël. Bon, et alors, pour compliquer le tout, tu as des flics qui s'appellent vraiment Paul, et d'autres qui s'appellent vraiment Bruno, tu vois? Alors, toi, tu es sur du sporting, tu entends Paul Bruno... Ouais, je sais ce que vous allez dire. Édipe et son complexe, blablabla. Non. Non, qu'elle soit ma mère, j'en avais rien à foutre. Mais c'était une femme, et là... Là, par contre... Ses seins légèrement lourds. Le creux de ses reins. L'arrondi de ses fesses. 8,7% des femmes succombent après seulement 7 minutes de marathon. Statistiquement, je suis donc sûr de baiser après 1h20 de tentative. Je sais pas si ton café, il est sexy, hein, mais... Moi, j'aime bien ton café. Par contre, regardez-moi ça. Au terrain, c'est pas très réglementaire, hein. On met rien, je perds, hein. Oui. Je connais cet endroit. Ça va. J'aime pas mal. Ombudsman, Ombudsman, c'est la bataille. Bon, là, j'attends ta réponse. Pas toujours, apparemment. Maman m'avait dit, ralentis. Ah ben voilà, bah écoute-moi, gentil, je prends un kir. En disant, tu prends un kir, je prends un kir, on prend chacun un kir. Deux kirs. Mais tais-toi, Mathieu. C'est bon, le... Le mot vol a un sens négatif très limité. Je préfère la notion de changement spontané de propriétaire. John, je t'ai dit de m'appeler John, bordel! Maman, papa, je quitte la maison. De toute façon, je ne sors qu'avec des femmes qui ont autant à y gagner que moi. Je le trie par profil. C'est-à-dire 45 ans, célibataire. Le profil. Quand t'es une femme de 45 ans célibataire, tes chances de trouver un mec, surtout un jeune, sont quasi nulles. Ah, oui. non. Ta sensualité. Normal, ça. Sorry, hein. Mais je pense qu'elle a, elle apporte beaucoup aux... Je vous en prie, vous. Prenez votre temps. J'ai jamais compris pourquoi ma mère m'avait gardé. Peut-être qu'elle aussi avait été endoctrinée. Mais putain, être enfanté dans l'amour de Dieu et se faire violer par le col blanc de la paroisse, c'est une différence, non ?